En fait, cette chanson, elle fait partie avec d'autres d'un projet sur lequel on a eu la chance de travailler avec les musiciens. C'était il y a une poignée d'années maintenant, un projet qui nous a emmenés à l'autre bout du monde. Quand je dis à l'autre bout du monde, c'est vraiment vrai. C'est du côté du pays du soleil levant, du côté du Japon. On a travaillé pendant plusieurs mois là-bas pour créer la musique d'un film japonais. Peut-être certains le connaissent. C'est plutôt un film pour les petits. Alors, il y en a dans la salle, mais certains grands qui veulent rester petits peuvent le connaître. C'était un dessin animé qui s'appelait Arrietty. Et donc, on a créé beaucoup de chansons et de musique pour ce film, dont celle du jardin abandonné. Mais il y a une chanson qui, depuis ce temps-là, nous a suivis et porté bonheur parce que cette chanson nous a fait voyager par la suite. C'est une chanson que j'ai chantée dans beaucoup, beaucoup de langues, en japonais, par commencer, mais je ne vais pas vous faire l'affront de la chanter en japonais. Je l'ai chantée en anglais, en allemand, encore quoi, en italien, même en breton. Mais ce soir, on va vous jouer la version française de cette chanson qui est devenue notre porte-bonheur. Parfois, pour les musiciens, un trèfle à quatre feuilles, ça peut être sous la forme d'une chanson. Cette chanson, c'est la chanson du générique de fin du film. Ça s'appelle tout simplement la chanson d'Arrietty. J'ai grandi, je suis un enfant d'hiver, plutôt jolie. Petite fille rêvant d'ailleurs, ici pas très loin de vous. Parfois je soupire et souvent je me dis, j'aimerais.
Merci beaucoup.